le petit coin où je vis en forêt. Là où je vis toute l'année. Et quand ça me chante, je prends le camping-car et je me casse. Voilà, le SICA posé pour l'étanchéité. Parce que hier j'avais une petite fuite au niveau de la fenêtre juste ici. Donc j'en ai mis un peu partout. Là j'ai déjà des bandes d'aluminium et pareil, je vais en remettre par-dessus. L'aération de la salle de bain. L'antenne, l'autre aération. Pareil, là, j'ai fait tout le contour aussi. J'en ai mis partout. C'est comme il n'a pas de capucine, pour le coup, ça stagne sur les côtés ici. C'est pour ça que des fois, je le garde et je mets une cale. Parce qu'il y a toujours un des deux côtés qui va avoir plus d'eau que l'autre. Donc en général, il faut mettre une cale, mais en roulant, bon, bah, ça se déverse, mais... pas toujours comme il faut. Alors, pour tout ce qui est contour de fenêtre, moi j'utilise du mastic universel silicone transparent, résistant aux UV, etc. C'est vachement efficace. Bon, c'est une dizaine d'euros, je crois, mais c'est vachement efficace. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça aussi pour les contours de fenêtre qui sont vraiment efficaces et qui partent pas. On peut mettre aussi du SICA sur les contours, hein, de par exemple les ouvertures là. Pour le gaz et tout ça. Donc voilà, moi j'en ai mis partout. Comme ça, j'ai fait le tour. Bon, bah comme ça, manquait pas de soucis. J'ai le démarrage à froid qui est foutu. On peut le voir ici. C'est ça, cette pièce-là. Donc du coup, le ralenti, il est au moins à 1000 tours. Et il démarre pas du tout, quasiment à froid. Il faut au moins 10 minutes pour le démarrer. Donc pareil. J'ai une pièce encore à changer. Démarrage à froid. Donc si quelqu'un au pire a un petit conseil, il ne démarre pas, au bout d'un moment il va démarrer, il va fumer très très blanc. Bon, c'est normal au niveau du gasoil. À force de le démarreur, démarreur, démarreur. Il y a toute la fumée qui sort du gasoil. Et donc voilà. Sinon il démarre à chaud comme une horloge. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça sera une vidéo où il y aura moins de problèmes de mécanique ou de colle SICAFLEX, de fuite et j'en passe. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis suivez-moi dans mes nouvelles aventures. Salut, salut, à la prochaine. Salut la famille.